Bonjour, j'ai le plaisir d'accueillir Fatine Leite. Bonjour. Bienvenue. Bonjour. Vous êtes présidente de la banque d'affaires du groupe Odo, donc observatrice privilégiée du monde de la finance que nous recevons aujourd'hui. Finalement, qu'est-ce qui a changé dans les sources de financement? Est-ce que les entreprises utilisent les mêmes sources de financement qu'hier? Alors, ce qui a beaucoup changé, c'est qu'en fait, on est dans une période qu'on appelle la désintermédiation. Alors, c'est un terme un peu technique, mais ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en France, les entreprises se financent encore à 2/3 auprès du système bancaire et 1/3 simplement sur les marchés, ce qui est l'inverse aux États-Unis, et que de plus en plus, les entreprises sont amenées à se financer sur les marchés financiers. Donc, ce qui a beaucoup changé, c'est qu'elles sont maintenant toutes beaucoup plus aptes à aller sur le marché obligataire. Et que nous avons beaucoup aidé pour qu'on puisse maintenant faire des émissions obligataires de petite taille, c'est-à-dire inférieures à 100 millions d'euros. Ça veut dire qu'aujourd'hui, une entreprise peut même pouvoir imaginer faire un financement de marché de 20 millions d'euros, ce qui était encore impensable il y a 2 ou 3 ans. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est qu'on a beaucoup développé aussi tout ce qui s'appelle placement privé. Donc il y a eu la grande mode il y a 4 ans des placements privés de dollars, qu'on appelait USPP. US Private Placement, qui existe maintenant en euros, dans lequel les compagnies d'assurance jouent un rôle très important parce qu'elles apportent une partie des financements de ces produits. Donc en effet, on peut dire que le monde du financement a complètement changé et qu'il nécessite évidemment beaucoup plus de technicité et d'adaptabilité pour les directeurs financiers. Est-ce que les entreprises prennent en main ces nouveaux outils, ces nouveaux systèmes de financement, ou finalement il y a encore une question d'évangélisation? On se dirige d'abord vers sa banque et... Voilà, je crois que les directeurs financiers d'abord sont des gens qui sont très techniques, qui sont habitués à remettre en cause et à benchmarker de façon fréquente les nouveaux produits qui peuvent arriver. Mais c'est vrai que nous, en tant que conseil, on a un rôle important à jouer pour les aider à comprendre tous ces nouveaux produits, à leur apporter les best practices. Quand on parle du Schuldschein, par exemple, il y a encore un an, un directeur financier vous disait un Schuldschein, c'est quoi? Donc c'est vrai qu'on joue là aussi notre rôle de conseil. J'aimerais juste qu'on parle un peu du côté investissement. On voit le contexte est quand même incertain, là, on manque de visibilité. Est-ce que ça veut dire qu'il faut stopper les investissements aujourd'hui ou les faire différemment? Alors, bien sûr que non, il ne faut pas stopper les investissements, mais c'est vrai que là, je sors d'une heure et demie de table ronde où, en fait, les directeurs financiers qui étaient là ont tous dit, pour nous, la préoccupation majeure, c'est le cash. Donc aujourd'hui, la gestion du cash, c'est on a beau anticiper, c'est la gestion de la sécurité. Et c'est vrai que l'arbitrage, aujourd'hui, il se fait versus les investissements. En plus de ça, il y a, je crois, le thème de la conférence qui était piloté dans le brouillard. Donc les investissements, c'est ça aussi, c'est qu'il faut en faire, évidemment. Mais il faut d'abord avoir une stratégie et une vision la plus claire possible de ce qui va se passer. Donc anticiper, manœuvrer et adapter et s'adapter. Alors, du coup, ça enchaîne sur ma dernière question. Quelles sont donc les compétences pour faire un bon DAF? Alors, un bon DAF, je crois qu'aujourd'hui, de plus en plus, le DAF est amené à être un peu le copilote de l'entreprise. Donc, en fait, il faut qu'il ait une très grande ouverture d'esprit, qu'il connaisse les opérations, parce que c'est presque un chief des opérations. Donc, je crois que c'est quelqu'un qui doit être très ouvert, très, très proche des produits qui sont fabriqués par l'entreprise. Quelqu'un qui soit vraiment dans l'anticipation, en même temps avec des grandes qualités techniques. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui, et c'est une des questions qui est posée aujourd'hui, c'est sa multi-compétence. Et donc c'est un job qui est devenu très difficile. Fatine Leite, merci beaucoup. Merci.